Stage 2, start now. Start. Allez, on se retrouve, allez, tu t'amènes toujours sur l'intégrale de Street of Rage 3. De toute façon, j'ai une grenade là. Et là, c'est le deuxième monde, deuxième stage. Ouh, t'as mis la grenade et en même temps, j'ai sauté avec mon jetpack. Plein de couleurs, des rues affolées aux heures de pointe, finalement, même les flots sont fous. Ouais, j'ai un peu dire les vues, les rues de soit de Pigalle ou soit les rues de Tsukuba, j'ai raté le quartier chaud de Tokyo là. C'est ça. Mais bon, vu qu'on est peut-être à New York, c'est de pas au nez quoi. Non, mais ça ressemble un peu. Mais ça doit être une ville un peu atomique. Et il y a trop des points, putain. Et les motards qui se la racontent, qui font des wheeling, tu sais, alors qu'ils devraient nous battre quand même. Les mecs s'en foutent complètement, ils font des accélérations. C'est un peu comme les Jackie qui font les tours des centres-villes. De rond-point à rond-point, tu sais, qui font les allers-retours. Il fait 20 mètres quoi. En incessant, ils font, attends, t'as vu, je roule en 205 GT. Putain les punks. Tiens le punk de merde. Lui c'est un chef qui doit avoir la veste verte et pas le il s'est battu, c'est des peaux de mammouth. Allez. Voilà. Tac. Oh, allez hop les punks. Donc on va se taire vite fait là pour vous mettre toujours dans l'ambiance sonore. Hein. Écoutez. Ouais, très nerveux, très ville urbain finalement. Ouais, très nerveuse. Allez, c'est parti. C'est quand même très joli, c'est trop joli. Tu joues avec des potes. Et là on se fait putain. Alors ils sont moches dessus. T'en vois rien là. Ah oui, c'est chiant ça, je me rappelle ici. C'est que le problème c'est que voilà, on s'est fait un premier plan, ouais, on voit plus rien du coup là. Ah, du coup c'est un peu ça nique la vision là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dessous le... Putain, de l'argent. C'est quelle langue là. Vas-y, prends l'argent, t'en as pas beaucoup toi. Oui. Parce qu'on va essayer de vous montrer les bonus de vie ou les bonus de force là. Ouais, si on arrive à... Ça s'en va ou dans continu, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Tac, casta, Donovan. C'est vrai. Il y aura souvent les mêmes mecs. Il est moche quand même. Viens là, je t'attrape, je te jette, il est mort. C'est bon, allez, on a franchement, pour les épileptiques, c'est chaud. Ah, c'est vert, violet, rouge, jaune, bleu. J'ai une crise. On va tomber par terre tout d'un coup. Ils vont plus entendre personne. Vas-y, prends-le. De la parce que là, en fait, non, casse pas. C'est la pomme pour moi. Parce que là, on affronte un kangourou dressé pour le cirque et une harlequin. Alors, en fait, la technique, c'est secret du jeu. Il faut battre juste l'harlequin parce qu'en fait, tu peux jouer le kangourou plus tard. Hein. J'ai envie de le péter parce qu'il sert un peu à rien. Il s'appelle Roux, tu sais. Comme il n'y a plus assez de place comme dans le monde. Roux. Ah, tiens, Roux. Il est chiant. Là. Oh, l'attaque de ouf qui m'a mis dans la gueule là. Bah, mais toi, non plus, si tu t'y mets, c'est sûr que je vais pas y arriver là. Et je vais défoncer l'harlequin. Tu restes à gauche, moi je reste à droite. On fait comme ça. Vas-y. Ah, ça. Il est chiant à défoncer là. Casse-toi le kangourou. Ah, t'as vu ce qu'elle fait? Elle va hors screen et hors screen, elle fait ça. C'est chiant ça, ouais. Viens là, je l'ai dit là. C'est bon. Je te l'envoie, envoie-le-moi. Casse-toi. Allez. Oh putain, casse-toi, kangourou. Et la pardage de brise à nuque. Mais casse-toi, kangourou. Oh putain, j'étais carrément défoncé là, chaud quoi. Moi je viole le kangourou. Allez, c'est parti. Bon, sinon je vais les défoncer, reste là, je vais te protéger. Rentre pas de lui. Voilà. T'as vu que lui il retombe sur ses pattes, hein. Tout le temps. En même temps, c'est un peu. Mais il est quasiment mort le kangourou. Putain, il m'a tué. Bon. Allez, bon, quasiment mort. Vas-y, fais un petit attaque de ouf là. Qui c'est qui est mort? Kangourou, il est quasiment mort. C'est pas le tuer, Kangourou aussi. Bah, je sais pas, t'as dit que je voulais le tuer. Bon, on s'en fout, en même temps, on vous montrera pas parce qu'il est pas très intéressant, je pense. Hein. Bah, on aurait pu vous montrer, mais bon, c'est vrai que gaspiller une vie pour lui. Ouais, un continue. Un continue pour lui, c'est. Allez là! Du tout, nous! Mais tu me tues là. Après, vas-y. Je crois qu'il est mort le Kangourou. Deux vies d'écart. Et elle est morte. Voilà. Deux vies d'écart, quoi. Chaud. Ah, mais chaud, ouais. Mais c'était qu'un boss intermédiaire. Et là, Disco Dance, on se tait. Tant visuel que sonore, c'est la folie ici. C'est les épileptiques. C'est les années 80, bon, tout le monde danse. C'est Disco Dance. Et les week-ends. Hop. Ah, ça envoie pas mal là. Alors, au fond, il y a des mecs qui se font chier, je sais pas. Regardez. Un peu le. Oh putain, il voit pas rien. Le Malibu club de GTA Vice City. Putain, là, tu vas. Ah, j'ai perdu une vie. Il joue l'ouvrier qui. Je suis plus qu'à 3 vies. Il est village people, c'est Vice City. Excellent le Malibu, foutre la merde, vraiment lancer des grenades dedans t'es pour tout péter quoi. Ou des molotovs sur les ouvriers là. Allez, on avance. Oh, ça rame. Ah, ça rame, il y a des moments visuels là, ça rame. Et c'est pas la capture, sur le Gardrive, nous ça rame aussi. Ils ont gardé les ramages, si on peut dire, tu vois. Magnifique, et les mecs. La foule est en délire, et nous regarde finalement. Désinvolte, le punk il était couché, tu sais, alors que ses potes étaient debout. Faut appeler les vigiles. Pas loin dans la boîte de nuit. La tenue n'est pas réglementaire. Ouais, la tenue n'est pas réglementaire du tout. Tiens là, allez hop, casse-toi. Il s'appelle Scarab lui. Tiens, bizarre. Scarab, il rentrait pas l'accent. Voilà. Tiens, allez, c'est parti. Elles sont chiants, elles sont. J'ai la machette. Machette. Ouais, j'ai une machette écrite. Machette. Vas-y, viens. Ouh, t'as le jus, il est chaud là, je sais pas ce qu'il a pris. On a été employé pour faire la sécurité dans la boîte de nuit.
Et mec, il a dû prendre du Red Bull, sérieux, c'est chaud. Oh, je sais même plus pourquoi on est dans la boîte de nuit, je me rappelle plus du scénario, vous savez. En fait, on avance, mais on sait même pas pourquoi on va. On avance, on est invité, on avance. Puis le mec, il casse la gueule. Et voilà, le mec, il me balance, sérieux. On casse la gueule à tout le monde. Jamais on va dire, vous savez quelque chose. Non, non. Oh, ouais. C'est tous des méchants. On parle même pas, nous, on est là pour se foutre sur la gueule. C'est ça. On a été employé juste pour une chose, pour nettoyer les rues. Il fait, vous avez des points. Ouais. Ok, c'est bon. Tiens, je te l'envoie, cadeau. Il est mort. Il est mort, de sang. Il est mort. On est foutu. Il me devait de l'argent cet enfoiré, vas-y, prends. Et là, une batte. Un pied de chaise, vas-y, viens. Tu vois la magnifique musique, clac, oh là, je veux. Putain, le mec, imagine ce que ça lui fait. Il y aura des écharpes dans le cerveau. Prends-le, prends-le, prends-le. Putain, le sneaker au couteau. Non. Ah, il est horrible. Oh putain. Attends, vas-y, vite, vite. Prends. Oh putain, ça rame, c'est chaud. Giorgio. Tu peux faire le ralenti, comme ça, c'est incroyable. Il croque tout rame, même la vidéo, non, non, c'est le jeu qui rame. C'est le jeu rame là. Alors, oh là là. Et je pense même sur Playtime, c'était pas comme ça quoi. Ouais, mais c'était que la boîte de nuit qui rame, ça. Ouais, ouais, y'a que la boîte de nuit, ouais, mais c'est tartiné, tous les mecs tombent du toit, les mecs tombent du toit, n'importe quoi. N'importe quoi, tombent du toit. Mec, ils ont pris des pastilles vertes là qui passent à l'écran, les mecs qui ont fait le jeu, attention hein. Oh, mec, truc cuté là, y'a pute. T'as pris ? Y'a un couteau là. Oh, tu vois, se relève pas. Et me fouette. Viens. Un niveau qui est vraiment assez sommaire, mais moi je trouve qu'il est excellent quoi. Mais c'est ouais, les effets de lumière. Wow. C'est le niveau 2 de l'épilepsie quoi. C'est ça. Après celui-là, si tu survis, tu ne peux finir le jeu normalement. C'est ça en fait, c'est le test. Si là tu tombes et que tu te mets à baver, c'est trop tard. Attends, on voit qu'il y a un requin là derrière, là, le bar Blue Island. Attention. Un peu un nom de bar gay quand même, le boss. Le boss de l'acte 2. Et c'est des jumelles. Attention. Elles sont chiantes hein. Elles sont très chiantes elles. Faut en choper une, la tuer quoi. Faut les gorger direct. Magnifique bar en contour là. Parce qu'elles font là, elles font des espèces de salto arrière. Attaque à dos. Ouais. Elles t'électrocutent avec le sol, donc super musique. Faut qu'elles restent. Ouais, on va se taire un peu. Moi, on va se taire un peu. Ouais. De toute façon, c'est vraiment toute la bande son du jeu. Mais en même temps, s'il y a son nom au mec, c'est à logique. Voilà, hein. Ouais, on met pas le nom du producteur. Ouais, faut que me spammer, c'est abusé quoi. C'est... Putain, moi aussi, hein. Waouh. Allez. Ah, ça là, c'est abusé! Je tape, je tape! PS2, voilà! Oh non, t'as qu'à deux! Oh, 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 fais gaffe! Ah oui! C'est Mona Lisa, elle s'appelle, hein? Mona Lisa, elle s'appelle Mona et Lisa, ouais, jeu de mots tranquille! Je ne connais pas! Quelle culture japonaise! Je ne connais pas Lisa Mona, je pas compris! Allez, vite, bon, je vais prendre une bière, moi! Allez, casse-toi! En fait, faudrait essayer de concentrer sur une seule meuf, comme ça après on est tranquille! Ouais, parce qu'à deux, elles sont très chiantes! Je crois qu'elle a plus qu'une seconde, je te défonce quoi. Oh putain! Mais elles sont chiantes, c'est tout hors screen. C'est dans ce jeu, c'est tout hors screen les mecs. Hein. Et voilà, hop, j'ai perdu une vie. Carrément, regardez, elle m'a fait une projection à la Ken là. Et j'ai perdu mais, presque un tiers de ma vie quoi. Mais j'arrive pas à leur faire beaucoup de dégâts, c'est chaud. Allez! Putain, on fait pas beaucoup de dégâts, c'est bizarre. Hein. Attends ça! Et mine de rien, ce niveau, hein, y a deux boss, hein, y a un sous-boss et boss. Ouais, c'est ça, un boss. À chaque fois, c'est deux, putain, je la jette. Mort, dégage, je vais essayer de défoncer là parce que t'as pas beaucoup de vie, toi. Putain, plus qu'une, faut pas faire de mon. Ouais, c'est pour ça, faut pas que t'aies perdu ton contenu parce que si tu continues ici, déjà, c'est chaud, quoi. C'est chaud, on a facile. Ça montre que voilà, t'as un facile en mais plus. Mais bon, ça fait 3, donc c'est rehaussé, donc ça va faire du normal un peu, quoi. Ouais, mais notre but, c'est quand même de montrer le jeu intégral. Ah, voilà, t'es pas content. Allez. Putain, mais avant partout. Elles vont partout. Elles sautent trop, ça m'énerve quand elles sautent trop comme ça là. Ah, c'est bon. Putain. Oh putain. Oh la moitié de la vie quand même. Mais c'est n'importe quoi. Oui, quand elle projette, c'est la moitié de la vie. C'est n'importe quoi. Oh là là là. Bon là, faut les enchaîner maintenant. Fais action spéciale. Voilà, attaque spéciale. Putain, j'ai perdu une vie encore. Bon attends, pousse-toi. Mets-toi à l'abri. Je vais les finir. Parce qu'elles ont plus beaucoup de vie. Oh, oh putain, elle m'a projeté. Hein. On l'avait vu. J'avais la vie entière. Ouais, j'ai eu ça. Ah, est-ce que ça m'a envoyé quoi. J'ai vu ça tout à l'heure. Ah, aussi. Elle est morte, Lisa est morte. Je l'ai tuée. Ouais. Voilà. Et tu l'as tué. Waouh. Toi, on a réussi. Chaud. Donc là, peut-être qu'on va gagner une vie, je suis pas sûr. Attends, j'ai 50 000 moi. Ah non, ça, 70 000. Ah ouais. Ouais. Putain, un stage nucléaire déjà. 50 000, tu l'as gagné peut-être. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, c'était la deuxième partie un peu plus courte, je pense, que l'autre. Ouais. Mais tout aussi intense. Hein. C'est ça, avec deux boss notamment. Oh, un papier qui tombe. Allez, à la suite alors, à demain. Merci, au revoir. Au revoir.
purpose that I need. Oh, is the one that leads back to you.